Coupe approximative. Les dents. Très important. Putain, j'ai soif, je suis assoiffée comme un mammouth. Ok. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui n'est pas un haul. Enfin si, c'est un haul. C'est un petit peu compliqué. Les gars, il est minuit. Donc comment vous dire que je n'ai jamais filmé une vidéo aussi tard. Je suis toute excitée. Cette vidéo sera... qu'elle sera. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je teste un site. Je fais du piano aussi, également. Je teste le site Zafool. Alors, comment vous dire que ce site, j'avais envie de le tester depuis... oulala, belle lurette. Sauf qu'il ne me contactait jamais. Comment vous dire que j'avais pas dépensé mes thunes dans un site qui peut-être ne valait pas le coup. Et du coup, vous voyez, là, on est sur un problème de mains qui ne trouvent pas leur place dans cette vidéo. Enfin bref, je voulais tester, il ne me contactait pas, je ne voulais pas payer par moi-même. Donc j'attendais qu'il me contacte jusqu'au jour où... j'ai reçu un mail, ce qui veut dire que évidemment, vous l'aurez compris, je n'ai pas payé ces vêtements, mais vous allez bien voir que ça ne va rien changer. C'est bizarre les phrases qui finissent dans les aigus. Comment vous dire, j'ai un petit peu l'impression qu'on s'est un peu foutu de notre gueule quand même. Vous allez voir que mon avis est plutôt mitigé, il y a des choses très très bien, mais il y a aussi des choses, non merci quoi. En tout cas, comme vous pouvez voir, j'ai investi dans un... comment ça s'appelle cette merde? Comment ça s'appelle? Bah merde. Non mais là, oh, il est minuit mais quand même, je suis pas hein? Truc pour prendre les habits. Mais comment ça s'appelle? Une tringle? Bah, ah. Un portant, voilà, merci, je viens de vous cracher dessus en le disant. J'ai investi dans un portant, ça m'a coûté quand même 10 €. Petit investissement qui n'est pas négligeable. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on s'en fout, on commence, c'est parti. Je fais pas du tout dans l'ordre de préférence parce que je sais que j'arriverai pas à m'y tenir. Donc au hasard, c'est parti. Oh non, j'ai pris un truc que j'aime pas pour commencer. Comment vous dire, j'ai écrit sur une enveloppe cette organisation toujours aussi pas organisée. J'ai pris ce petit pull, ah bah c'est pas dans l'ordre du coup. Pull blanc, 17,31 €. Pour arrêter de se foutre de notre gueule. Là, la caméra, il rend blanc, mais je vous assure que non. Blanc cassé, beige. On est sur un petit pipi, là. Un petit pipi, ouais. Donc, j'ai pris ce pull en me disant magnifique. Alors là, ce que je vous montre, là, le col en V, c'est le dos. Donc, sublime. Sauf qu'en fait, alors oui, la maille est magnifique. Genre, très épaisse, etc. Mais, bah oui. Pourquoi pas? Sauf qu'en fait c'est de la grosse maille où vous voyez à travers. Ce qui veut dire que ne mettant pas de soutien-gorge, c'est un petit peu problématique. Donc vous allez me dire, bah mets un soutien-gorge. Sauf que c'est un col en V dans le dos. J'ai pas envie de mettre un soutien-gorge avec un col en V dans le dos. Trop moche. Non. Et je trouve, je sais pas, il tombe mal. Enfin je sais pas, j'aime pas. J'ai pas de... non. Donc j'aurais tendance à vous dire de ne pas le prendre. Mais après vous faites comme vous vous semble. Ensuite ce petit haut magnifique, je vais vous le montrer. Mais vous allez voir qu'il y a un problème qui me paraît un petit peu récurrent chez Zafool. C'est un petit crop top noir basique. Sauf que encore une fois, il y a un immense décolleté dans le dos. C'est une matière qui paraît épaisse. Mais en fait, bah portée non. C'est incompréhensible, je ne comprends pas cette matière. Donc un peu choquée déçue parce que franchement il est magnifique, mais c'est juste que bah il faut mettre un soutif et je n'ai pas envie de mettre un soutif avec un décolleté dans le dos. Et je ne vous ai pas dit ce petit haut. Je mets bien en valeur les produits, je sais. Alors il m'a coûté, enfin il coûte 12,48 €. C'est un petit peu cher pour un bout de tissu. Ensuite j'ai envie de vous montrer un truc qui est bien parce qu'il n'y a pas que des trucs pas bien sur ce site, loin de là. C'est vrai que là vu comme ça j'en vois pas énormément. Et cette chaise qui couine, on en peut plus. Ah oui, alors cette combinaison, c'est difficile à imaginer comme ça, mais portée, vous allez voir beaucoup mieux. En gros, c'est une combi short, un peu style comme si vous avez mis une chemise et vous êtes à poil en dessous. Je kiffe, j'adore. Ça fait très très classe. C'est une couleur verte foncée. J'aurais jamais cru porter cette couleur dans ma vie. Mais franchement, ça change et c'est trop trop beau. Elle coûte combien cette petite combi? Elle coûte 23,72 €, donc c'est un prix. Mais franchement, je sais pas comment vous décrire, mais elle est très épaisse. Elle est doublée, donc c'est rare pour des combinaisons de site chinois. Et enfin, elle est vraiment magnifique. Si vous avez une soirée ou quoi de prévu et vous savez pas comment vous habiller, mais cette combinaison, oui. Je vais les remettre au fur et à mesure quand même. Les trucs que j'ai déjà mis, je vais les mettre là. Hop. Je fais mon petit rangement, hein, vous préoccupez pas. Hop, hop. Alors ensuite, un haut que je n'aime pas.
Mais cette fois-ci, enfin, c'est vraiment moi, mes goûts personnels, parce qu'il est vraiment de super bonne qualité, il ressemble exactement à la photo. C'est juste que je trouve que porté, ça ne me va pas. Donc c'est un petit haut en suédine comme ça, gris clair, avec un petit col qui remonte. Et en fait, c'est le col que je trouve ça me va pas, quoi. En bas, il est coupé un petit peu plus court devant que derrière. Et franchement, il est hyper épais, enfin, il fait vraiment bonne qualité, quoi. C'est juste que, bah, vous allez voir porté, je sais pas, je trouve que ça ne me va pas. Donc ce haut coûte 18,31€, donc il les vaut largement, hein. C'est vraiment de la qualité Zara. Si vous cherchez, vous aimez bien ce type de haut, je vous conseille vraiment. Parce que pour le coup, il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, alors je voulais absolument ce body noir. Quand je l'ai vu sur le site, c'est le premier truc que j'ai commandé. Donc vous savez, c'est les body basiques qui sont tout droits là au niveau de la poitrine. Et je trouve ça vraiment trop trop beau. Donc au niveau du bas, il n'est pas ouvert et c'est pas un string. C'est plus un tanga, c'est hyper échancré, mais c'est pas, ça rentre pas dans le cucu, quoi. Donc celui-ci coûte 14,56€. Je trouve que ça va parce que la matière est très épaisse. Donc on voit pas trop les tétons, mais on les voit quand même un peu. C'est juste que faites attention au niveau des tailles. Moi, je l'ai pris en S et il est quand même très 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 serré. Donc oui, il me shape de ouf, mais enfin, on dirait un truc gainant, quoi. Mais ouais, franchement, je vous conseille de prendre la taille au-dessus, surtout si vous avez des plus gros 5 mois, parce que d'habitude je fais du XS, là c'est du S et c'est trop petit. Donc perso, si je devais en reprendre un, je pense que je le prendrais en M. Voilà. Ensuite, cette petite combi blanche qui est très 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 belle. C'est une combi short qui est juste magnifique. Enfin, les couleurs, je trouve qu'elles sont trop trop belles. C'est des manches longues avec un petit élastique au niveau des poignets. Vous avez directement la ceinture qui est accrochée au niveau de la taille. Une fermeture dans le dos et un petit bouton là devant pour éviter qu'on voie tous vos seins. Elle coûte 13,32€. Franchement, je l'adore, je l'ai pris en S et en M aussi parce que du coup j'en ai pris une pour Loulou. Mais elle est vraiment trop belle. Du coup, comme je vous l'ai dit, je l'ai prise en deux fois. Ensuite, mais ce manteau magnifique, franchement trop trop beau. Donc là, il est pas très bien mis en valeur, je l'avoue. Vous savez, c'est les manteaux en feutrine comme ça, avec une petite ceinture directement. Vous avez le col comme ça qui se rabat, ça fait hyper classe. Et celui-ci, il est mi-long, il m'arrive au niveau des cuisses à peu près. Celui-ci, il coûte 20,95€, donc autant vous dire qu'il les vaut largement. Le seul problème, c'est que je l'ai pris en M et il est vraiment hyper étroit, quoi. En fait, c'est surtout au niveau des aisselles. En gros, vous faites comme ça, vous êtes à deux doigts de le craquer. Alors qu'encore une fois, moi je fais du XS, S et là je l'ai pris en M, il met un petit peu petit. Donc prenez deux tailles au-dessus si jamais vous avez envie de vous le prendre, parce que sinon vous allez être beaucoup trop à l'étroit, quoi. Mais sinon, il est très beau. Donc là, on arrive à la moitié. Franchement, ils m'ont gâté de ouf, il y avait énormément de choses. Ensuite, une combinaison que j'appellerai l'incompréhension. Vous allez voir qu'il y en a une deuxième, c'est l'incompréhension plus. Alors, je vais vous l'enlever du sein pour que vous mieux. C'est une petite combinaison blanche qui paraît extrêmement kiki vu comme ça. Donc je pense que vous comprenez, ça se met comme ça. C'est vraiment, enfin, ça paraît très beau. Ça paraît parce que c'est archi transparent. Et quand je vous dis transparent, c'est que c'est transparent. Je sais pas comment intensifier ma parole pour vous dire à quel point c'est transparent. Grosso modo, cette combinaison, vous ne pouvez pas la porter. Pas en tout cas dans une société normale. Elle coûte 13,32€, donc oui, c'est pas cher. C'est juste que le seul moyen de la mettre, c'est sur la plage, par-dessus un maillot de bain. Et c'est vraiment que là. Que là, quoi. Et puis, je sais pas, enfin, cette matière-là, on dirait une taie d'oreiller. Donc vraiment, cette combinaison, bah non, quoi. Non. Du coup, on va enchaîner directement avec la deuxième combinaison incompréhension plus. J'étais dégoûtée parce que moi, je la voyais déjà la mettre dans mes 10 prochaines soirées en boîte de nuit, quoi. Boîte de nuit. Purée, une daronne. Tain, j'ai quel âge, quoi. Bref, je sais pas si ça se voit beaucoup. J'ai l'impression de dire que cette phrase tout le temps. Je sais pas si ça se voit. Pourtant, je fais des efforts d'investissement de qualité de vidéo, hein. Mais c'est une combinaison noire, j'ai un truc dans l'œil, avec un immense décolleté. Alors, c'est pas un décolleté puisque vraiment ça arrive au niveau de la taille. En même temps, vous allez me dire, bah du coup sur la photo t'étais au courant. Mais en fait, dans ma tête, je me suis dit, ouais, je vais pouvoir mettre un petit body en dentelle en dessous, ça va passer, sauf que ça passe pas en fait. Et j'ai tout essayé, rien ne passe. Pourtant la matière plutôt pas mal, épaisse, donc pas trop transparente. C'est juste que, bah, je ne comprends pas le principe. Ça baille, c'est... En fait, c'est moche. Ouais, voilà, c'est le mot. Elle coûte 19,14€ en plus. Si vous avez une idée de comment je peux la mettre, dites-moi. Donc ouais, j'attends vos idées. Ensuite, alors ce haut, très très beau. Très beau, hein. C'est un petit top qui se porte comme ça. Les manches, bah je dirais pas manches longues, manches plutôt 3/4, semi-longues,
semi-manche quoi. Et très kiki. Franchement, si le mot choukiki était représenté par un top, ce serait ça. Il coûte 12,48€. C'est un petit peu cher payé quand même. Mine de rien, c'est tout petit quoi. Donc je l'adore, hein. Mais il faut souligner aussi ses défauts parce qu'il en a. C'est qu'il est extrêmement transparent. Donc encore une fois, on est sur un problème de téton apparent. Et au niveau de la taille, celui-ci, je l'ai pris en S. Et encore une fois... très rikiki, hein. Vous faites plus que du B, vous rentrez pas dedans, quoi. Donc très très beau pour l'été, franchement, je vais le mettre tout le temps. Mais faites quand même attention à la taille parce que c'est très petit. Ensuite, une autre combi. Alors oui, j'ai pris plein de combi shorts parce que c'est vraiment un truc qui est hyper simple à mettre. Et je trouve ça très mignon. Elle est hyper bien taillée, très belle, doublée au niveau de la poitrine, donc on ne voit rien. Elle a des bretelles réglables, une ceinture qui va avec. Enfin bref, parfait. Je vais les commander en L, sans faire exprès. Je me suis trompée. Franchement, j'en ai marre de moi. Donc celle-ci, elle coûte 14,15€. Franchement, foncée, elle est canon. Je pense que je vais m'en recommander d'autres dans d'autres couleurs. Cette fois-ci, en prenant la bonne taille, merci. Mais ouais, cette combi, je dis oui. Il nous reste deux trucs, dont ce petit pull qui est juste très très beau. Il faut le dire. C'est un petit pull gris qui coûte 18,73€ et il est hyper hyper doux. C'est des manches un petit peu chauve-souris comme ça, mais pas trop non plus. Il est très agréable. Enfin, franchement, il est magnifique. Celles qui ont des gros seins, foncez, parce qu'à mon avis, vos seins vont le bloquer. C'est juste que moi, bah, ça glisse, quoi. Il n'y a rien qui retient. Et du coup, pour terminer, il y a ce gros pull-là qui est juste très très beau, très très chaud. Une maille magnifiquement magnifique. Donc, il a un énorme col roulé et la couleur gris chiné comme ça, je trouve ça trop trop beau. Et celui-ci, il est pareil, plus court devant que derrière. Donc il coûte 28,30€ quand même. Ah oui, d'accord. Après, mine de rien, je l'ai mis plusieurs fois, je l'ai lavé, il a pas bougé. Et vu comment il est épais, franchement, je le comparais bien avec un pull Zara. Donc ouais, ce pull, j'aime beaucoup. Bah écoutez, je crois qu'on a terminé. Donc voilà pour tout ce que j'ai reçu du site Zafool. Alors je suis un petit peu déçue dans le sens où beaucoup d'youtubeuses en avaient parlé comme d'un site chinois beaucoup plus qualitatif que les autres, etc. Pour moi, ça reste à peu près similaire des autres sites chinois. Des fois ça se passe bien, des fois bah ça se passe mal. Honnêtement, je trouve pas que Zafool soit au-dessus des autres. Après, c'est que mon avis personnel. Au niveau de la livraison, etc. Moi, j'ai reçu le colis en une semaine et demie à peu près. Donc, de ce côté-là, rien à dire. Tous les habits étaient dans des pochettes zippées individuelles. Donc, franchement, ça, c'est quand même super cool. J'ai pas payé de frais de douane. Donc, je suis plutôt contente. Ouais, franchement, je sais pas. Je suis vraiment mitigée sur ce site. Si vous, vous avez déjà testé Zafool, dites dans les commentaires si ça s'est bien passé, etc. Parce que c'est quand même toujours mieux d'avoir plusieurs avis. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une vidéo. Pépito des pépitas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bah, à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.